Ouais, Moubarak est parti. Vive la révolution africaine. Ouais, vive la liberté. Je voudrais dire à mes frères gabonais qui sont réunis ici, qui se cherchent, qui sont en train de se bagarrer, qui se demandent s'ils doivent se bagarrer ou s'ils doivent baisser les bras. Je les invite à comprendre qu'il ne faut jamais baisser les bras. Les Tunisiens nous ont montré la voie. Nous sommes réveillés. Les Égyptiens ont continué. Moubarak vient de tomber. On l'appelait le Raïs. Il se prenait pour un pharaon. Quelle insulte pour les pharaons. Moubarak vient de tomber. Le faux pharaon vient de tomber. La démocratie est en marche. Moubarak est tombé. Alors dites-moi. Oui. C'est le petit Bongo qui va rester. C'est le petit Bongo qui va rester. C'est le minable, le minus, le minuscule qui va rester. Non, il ne peut pas rester. Le Gabon est trop beau pour être insulté de la sorte. Et on est là tous ensemble, j'improvise un peu et ça me fait un peu penser à ce que disait Martin Luther King quand il disait « j'ai fait un rêve ». Je dis qu'on est tous là ensemble pour dire que nous avons fait un rêve commun, c'est le rêve du respect des droits de l'homme dans les pays africains, de la démocratie et surtout de la dignité des Africains. Et je me dis pourquoi on ne peut pas y arriver tous ensemble. Arrêtons de dire que les principes démocratiques ne sont pas faits pour les systèmes africains, puisqu'on est là pour prouver que oui, on veut la démocratie, oui, on veut que notre voix soit entendue et respectée dans tous les pays d'Afrique et à Madagascar. Donc merci, unissons-nous, et quand je pense à ce qui s'est passé, on a enfin réussi à se débarrasser de Ben Ali et de Moubarak, je me dis maintenant, passons au suivant, tout simplement. Ouais.
Thank you.